L'homme jette sa femme paralysée dans la baignoire, mais il glisse soudain et tombe sur le sol. Le niveau de l'eau continue de monter. La femme essaie de se lever, mais elle ne peut bouger que les yeux. Elle accroche son pied au siphon de soleil, alors que l'eau est sur le point de lui inonder le nez. Elle tire sur le siphon pour l'ouvrir à moitié, mais la chaîne du siphon se brise soudainement, en voyant l'eau s'écouler plus vite qu'elle ne descendait. Bientôt, elle n'aura plus que ses yeux à l'air. Le niveau de l'eau continuant à monter, sa tête était submergée et ses pieds flottaient. À ce moment critique, elle s'est soudain sentie pleine de force et a ouvert le siphon de sol d'un coup de pied. L'eau s'échappant du siphon, la femme peut enfin respirer. Elle essaie de bouger ses doigts et se rend compte que son corps s'est rétabli. Elle se lève pour aller voir son mari, mais celui-ci a étrangement disparu. La femme se précipite pour appeler la police, mais c'est alors qu'une silhouette apparaît à travers la porte. Elle ramasse un morceau de verre et sort pour voir ce qui se passe, mais elle trouve son mari allongé par magie en bas de chez elle. Elle s'approche courageusement pour voir ce qui se passe, mais l'instant d'après, elle se rend compte que son mari est de nouveau en vie.